Hop là, bonsoir, bonsoir. Vous n'avez pas les sons, c'est normal parce que j'ai rien programmé. Je suis un boulet. Bougez pas. Ça devrait être un tout petit peu mieux. Vous n'avez pas les sons du jeu encore, c'est normal. En tout cas, bonsoir tout le monde. Je suis avec Flo. Salut Flo. Salut tout le monde! Et on se retrouve donc comme c'était convenu dans Police Simulator Patrol Officer. Salut, aide-moi. Salut, salut à toi! Et on se retrouvait donc, je vais sortir, attention, c'est éblouissant, retrouver Oui. l'officier Flo. Salut, officier Flo! Bonjour, officier Damned. Et on va donc faire notre première mission de première journée. Je parlerai du jeu au fur et à mesure. Vous avez l'heure en haut à gauche, la date du jour, et l'année, le mois. Et puis la première mission qu'on doit faire, en fait, on va évoluer par type de niveau. Au début, pour le moment, on ne peut faire que... Enfin, on peut faire plein de choses, mais pour avancer et gagner des bonus de points, il faut donner des contraventions de stationnement. Et en haut à droite, on a des SP et des CP. Alors les SP, en gros, c'est les bons points. Hein, c'est à peu près ça, hein, en gros. Oui, c'est ça. Et Les CP, CP, c'est... c'est les mauvais... Enfin, tant qu'ils sont à 100, ça va, mais si ça descend, ce sera des mauvais points à la fin qui nous feront perdre des bonus d'expérience. Tout simplement. Exemple, Danette qui adore viser avec un pistolet, ça lui fait perdre 100 points d'indirect et on perd la journée. Mais non, c'est pas faux, c'est pas vrai. Alors effectivement, on a un inventaire avec un ordinateur de police, un pistolet paralysant, tout ce qui est gris, on ne peut pas le faire pour le moment. Et on a un pistolet, effectivement, si jamais besoin il y avait. Si on ouvre l'ordinateur de police, ça nous remontre la carte. Voilà, ça c'est pour moi le seul secteur où on peut aller. Notre progression de carrière, en haut à gauche, à droite, pardon. Et en bas, là, vous avez un historique de tout ce que, de toutes les personnes que vous avez, à qui vous avez mis des infractions, vous avez des gens enregistrés que vous connaissez. Et là, après, c'est le manuel. Alors, le manuel, c'est vraiment pour vous reporter si jamais vous n'êtes pas sûr de s'il faut verbaliser quelqu'un. Vous avez toutes les consignes qui sont là-dedans. Et bah, écoute, je t'invite à ce qu'on aille commencer à patrouiller tranquillement et On voir va faire... s'il y a des voitures Oui. à. Bon, je ne sais pas si Damned vous l'a montré, mais en fait, on a un manuel qui nous dit, bon, pour les stationnements, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Je viens de le dire. Exemple. Ah bon. Non, mais dire que... Non, mais. Oui, on peut effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a des petites conditions. Là, par exemple, on voit que le parkmètre est expiré. Bon, il n'y a pas de voiture, c'est normal. Exemple. Là, est-ce que la voiture est bonne ou pas bonne? Alors, est-ce que la voiture est bonne? Ah, il déborde un peu sur la route, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, j'ai un doute. C'est pas énorme, hein, non plus, hein. Non, 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 vu la Non, taille c'est de la pas énorme, voiture, je hein. dirais que non. Alors, On autre voit chose que à le regarder. parc. Ouais, Vas-y. vas-y. Non, j'allais dire, ouais, le pare-brise, effectivement, tout va bien. Elle est bien garée. Le Bon, parc-mètre. j'avoue qu'elle est pourrie, mais bon, ça, Ouais, c'est pas la c'est vrai même. qu'elle est sale. On pourrait lui mettre un PV pour saleté, parce que les gens sont dégueulasses. Il y a autre chose qu'il faut voir. Alors oui, il y a des pop-up en haut, là, comme un homme vient d'abandonner ses déchets. Tiens, le mec qui est en Oui. face, là, apparemment. Tiens, je te laisse aller t'en occuper. Ouais, j'y vais. Va nous le verbaliser, alors. Oui. Oh, Ziki. monsieur musclé, je crois que je vais l'arrêter pour sa coupe de cheveux déjà. Oui, tu peux. Je vous montrerai après comment on fait. Salut Alors. Zikino qui nous dit salut les pervenches. C'est à peu près l'idée. C'est complètement le thème même, on est dedans. Et il y a une autre chose qu'on peut vérifier sur les voitures aussi, c'est leur plaque d'immatriculation. Il faut que la date soit respectée. Donc celle-là, elle s'expire en septembre 2021. Et on est en mai 2020. En plein Covid d'ailleurs, donc tout va bien. On est aux États-Unis, donc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça passe. Encore? Elle est où? Oh putain, là-bas, elle est en train de se faire écraser sur la route, là. Oh, elle est trop loin, j'ai la flemme d'aller la choper. Si t'as envie, vas-y, mais... Tu la vois? Ouais, je la vois, mais je suis un Elle peu loin. est trop loin, j'ai la flemme. Alors, en attendant, je vais faire un petit tour des voitures, moi. Où c'est qu'il y aurait des voitures garées? Parce que là, il n'y a pas grand-chose. Bah, t'as le parking au nord, là. Écoute, non, mais je te rejoins. Bah, Bah, viens, on traverse, on va aller voir ce qui se passe par là-bas. Ah, là, il y a de la Ah, bagnole, là, là. elle est... Ah oui, là, il y vient. Ok, donc déjà j'en vois une en face qui est en faute. Oui, parce qu'elle n'est pas dans le bon sens. Elle est pas dans le bon sens, tout à fait. Elle est garée dans le sens contraire de stationnement, celle-là. C'est ça. Là, Donc tu peux je vais l'aligner. la verbaliser Mais immédiatement. est-ce qu'il y a que ça? Oui, c'est vrai, la plaque d'immatriculation, qu'est-ce qu'elle est? Elle est bonne 2021. Donc 2021, elle est bonne. Hop, on interagit. Contravention pour stationnement. Là, tu fais la bonne, Position là? Non, tu alignement. fais pas la bonne, là? Ah, si, la bonne, c'est la bonne, c'est la Ah bonne, c'est la bah, bonne. je crois, si. Stationnement Ouais. à contresens. Voyez, on voit à droite, on a gagné plus 10 points, plus 10 SP, donc ça veut dire qu'on a Magnifique. fait la bonne chose. Et Voilà. tu vois que ce que tu gagnes, je le gagne aussi. Oui, Et et inversement. alors, par exemple, la voiture qui est juste derrière, elle a un Alors. truc handicapé. Ouais.
Mais là, du coup, ça nous donne. Ouais, c'est chiant le Oui. truc. Les trucs avec les déchets, c'est relou. On Oui, s'en ça, fout. on Si on tombe dessus, voilà. C'est surtout qu'il y a aussi un panneau là qui dit pas de parking. Alors, Tuesday, c'est le mardi, je va. C'est crois. pas mardi, oui. On est Ouais, c'est le lundi. mardi. On est lundi. Donc, ça va, ça passe. Et de 8 h de l'après-midi à minuit. Du matin. 8h du matin, 8 a.m. 8 h du matin, oui, pardon. C'est C'est pas qu'ils disent, grave. et cause, c'est ils nettoient la rue. C'est ça. Bon, elle en a peut-être un peu besoin, oui. Donc oh ouais. Celle-là est bien garée, le taxi il est bien garé, sa plaque elle est bonne, ok, pas de contravention, on traverse. Bon. Là on est toujours sur un parking pour Tuesday, donc ça passe. La plaque est Là, c'est bonne, bon, ouais, tout et ils est ok. respectent le parcmètre. Incroyable. Va falloir qu'on aille voir ailleurs un petit peu, trouver d'autres bagnoles. Il n'y a pas un vendeur de hot dog là quelque part? Non, pas de vendeur de hot dog à contrôler, non. Parce qu'on Oh sait merde. bien, les vendeurs de hot dog, ils... Enfin, la seule fois où on en a contrôlé un, dans notre partie test, il avait de la drogue sur lui, c'est étonnant, dites donc. Ouais. Et donc on a appelé. Ah, on a appelé les collègues. C'est ça. Même le Oh chef. là Ah. là 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 là, on a une plaque périmée là. Juin 2019. Allez, mieux-le. Allez, ça c'est pour Y a que moi. ça? Bah, j'ai l'impression, hein. Il y a l'air. Allez hop! Emballer, c'est peser. Exactement. Tiens, prends là celle-là. Tu l'as pas volée. Il y a des voitures en face, bah, si tu veux aller voir. J'y vais. Je te rejoins. Celle-là, elle est Alors bien. là, voilà, elle est pas Parce qu'en fait, on peut mal. aussi leur faire une contravention s'ils sont garés, sont mal garés. C'est-à-dire. Oui, souvent sur le truc, Ah bah, oui. genre lui, tiens! Ah oui, bien, bien mal garé. En Ouais. fait, il a un pneu sur le trottoir. Il y en a même deux, ouais. Donc, allez hop hop hop. Allez, bon, c'est contravention, c'est pas dépanneuse, malheureusement. Aligne-moi tout ça. Alors, là, c'est zone, interdiction, positionnement, alignement, sur le trottoir. Hop. Celle-là est bien garée. Allez, Allez. voilà. Celle-là, valide. Valide. Oh, il y a un beau Alors, parking devant là. faut savoir dans les particularités que si elle avait été expirée, celle-là, je n'aurais pas pu la verbaliser parce qu'il est handicapé. Les handicapés ont le droit de d'être sur une zone expirée. Ah, sont les handicapés, ils ont le droit à tout là-dedans. Ah oui, tous les droits, ou presque. Ou presque. Lui, il gère pas Donc là, vraiment. forcément, c'est les premières missions, hein. C'est pas les plus passionnantes. Hein. C'est voilà, faut monter en grade, donc c'est notre Par contre. patrouille du jour. C'est ça, apprenant le droit à la voiture. Je sais pas combien rapide, à quel degré de niveau, mais. Ouais, non, moi non plus, mais. Alors, goût to science, la dernière fois qu'on avait un truc comme ça, c'était pas mal. Handicapé. Comment on peut avoir un van de comment ça s'appelle d'artisan et être handicapé? Ouais, c'est vrai que c'est particulier. C'est Après, s'il fait des meubles, bon, encore, c'est jouable, mais c'est sûr que si le mec il est censé monter sur des toits, il se foutrait pas un peu de notre gueule? j'ai un doute. Y a rien contre les voitures sales? Y a rien contre les voitures sales, non, à part. J'ai quand même vérifié. Alors, je suis désolé, j'ai quand même vérifié qu'il n'y a pas un truc voiture sale. Mais tu as raison, vérifie, vérifie. Je vais un tout petit peu plus loin pour contrôler. Alors, zone des Il y aurait bien une nains, voiture dans le non. mauvais sens là. Voilà. Et une voiture expirée. Bah voilà, je vais me faire mon beurre ici. Alors toi, hop. Ah, excusez. Je me serais peut-être trompé. Merde, je me suis trompé. Ah, j'ai mal cliqué. T'as fait quoi? J'ai mis mauvais endroit de stationnement, c'était pas ça que je voulais mettre. Non, c'était contresens, non? Temps de stationnement échu. Zut. Ouais, c'est moi qui dis prune pour voiture sale et après il paraît que la police ne cherche pas à faire du chiffre. Mais pas du Non, tout. mais pas du tout. La preuve, on gagne pas d'argent là-dessus. Ah non, nous on est payé une misère, hein. On n'est pas Encore un qui a payé du tout. abandonné ses déchets. Allez Bah, hop! toi, tu l'as vu, mais pas moi. Ah ouais, parce que peut-être que t'es trop loin de moi, je pense. Bravo! J'ai dû le voir un peu Allez, plus près, peut-être, mais. on va peut-être arriver à 100 points avant la fin de la journée. Ah, c'est Et on jouable. est, comme dit, c'est Kizilino qui a dit ça? C'est les quotas. Ouais, les quotas, bah oui, il parlait Oh! des quotas, ouais. J'en ai une, c'est le jackpot. Temps Ah! déchu, et roue sur le. Je sais pas si on peut verbaliser deux fois, par contre, pour deux choses On va voir. différentes.
Par contre, là, j'en ai un, il est handicapé, mais moi, je suis désolé, la plaque, elle est expirée. Hein. En déchu. Et positionnement, alignement sur le trottoir. Allez, jackpot, bah si, tu peux. Eh bah, parfait. Ça, c'est ça bien, fait deux. Ça. Parfait, ça fait du chiffre, attends, c'est bien. Juste, juste une question, le comment tu vois pour le la date? Sur le, il faut que tu zoomes avec le clic gauche sur la plaque d'immatriculation. Tu as le mois en haut à gauche et l'année en haut à droite. Juillet 2021. Bon, ça va. Ça passe. Et salut à Kat. Salut à Kat. Bonjour, bah il dit bonjour à la police, donc je vais lui répondre bonjour le civil. J'espère que ta voiture est bien garée. Ouais, j'espère que vos voitures sont bien garées, méfiez-vous, si on tombe sur les routes, on fera pas de cadeau. Hein. Et j'ai attends, encore une plaque expirée. Je crois que dans le manuel, il nous a bien dit qu'une voiture qui est garée devant une bouche à incendie, c'est alignement. Ouais. Alors, il est pas handicapé. Il est pas handicapé. En plus. Alors, ouais, Z-moi qui demande combien faire de plaques avant de passer à la prochaine phase. Alors, en fait, tu peux configurer avant chaque prise de mission la durée en temps de réel de jeu. Par défaut, c'est sur 25 minutes. Alors, j'ai laissé 25 minutes, pourquoi? Parce que entre le moment où on s'écho, on a lancé le live, etc., on a dû perdre à peu près 10 minutes. Mais après, je compte mettre des trucs de un quart d'heure maximum avant de passer à la prochaine, quand même. Parce que sinon, c'est un peu trop long, 25 minutes de contravention. Là, c'est pour ce... Là, à peu près jusqu'à la fin de la journée, quoi. Il est 2h de l'après-midi. Il est où? Il est où? Elle a lâché ses déchets. Et Akad qui dit, c'est beau, j'arrive. Et la phrase que j'entends, c'est cool, ça fait faire du chiffre. Ça fait du chiffre. Bah ouais, carrément. Carrément, carrément. J'ai aligné celle-là. Celle-là? Tu vois pas les deux contraventions sur le truc? Ah oui, bah j'aurais bien rajouté une troisième ou une quatrième, mais ok, très bien. Vas-y, regarde si t'as pas vu un truc que moi je n'ai pas vu, hein. On sait jamais. Et donc Akat qui rajoute, ne vous garez pas devant les poteaux incendies et les bouches incendies, s'il vous plaît. Bah, et oui, bonsoir au signe noir qui nous a rejoint, bien évidemment, merci à tout. Bonsoir, on a combien là? Ah, lui il m'a l'air... On est 2800 sur le live. Ah, on a l'air suspect, il m'a l'air suspect lui. Mais on a des gens très sages, ils ne parlent pas beaucoup. T'es sûr? Parce que méfie-toi, ça fait des points en moins de contrôler quelqu'un. Faut pas contrôler quelqu'un si t'as pas de raison. Hein. Ah bah bon, oui, t'as pris des points en moins. Oui, bah, c'est pas ma faute, il était contre le mur, à côté des poubelles, on aurait dit un dealer. C'est quoi ce coffre là? Ah oui d'accord, c'est un... Okay, je comprenais pas ce que c'était. Oh ouais, on est au moins 2800, peut-être même plus, hein, j'ai pas regardé, il y a un moment on compte plus. Hein. Le commissariat alors, est là. Ouais, on revient au commissariat. Peut-être vers là-bas, il y a de quoi se sustenter. Allons. Tu prends à droite, je prends à gauche. Cette police qui surveille les gens contre des poubelles, mon dieu. Ah, tiens, là, j'en vois un qui est mal garé. Il dépasse sur sa ligne, lui. Ah, ouais, si. Il est pas handicapé? Il est pas handicapé. T'as enfin, pas il l'est, il l'est, mais pas officiellement, quoi. Il y a un mec qui vient de traverser illégalement, c'est où, ça? Je suis sûr que c'est moi. Non. Empiète trop sur la route. Voilà. Oh. Alors, si vous le saviez pas, voilà, quand vous garez en ville, messieurs, dames, s'il y a des dames, garez-vous bien. Ne dépassez pas comme ça, là, vous mettez pas à moitié, là, vous mettez bien le long du trottoir. Putain, t'as raison, il est garé devant l'arrêt de bus. Merci, j'avais pas vu. Il a raison. Ah, et alors, le signe... Qui a vu ça? Ah, le signe. Ah bah, ça, c'est un vrai sergent, ça. Merci, lieutenant. Ah, merci, lieutenant noir. Lieutenant le signe noir, pardon. Ce sera mieux parce que sinon, sinon ça va faire bizarre. Lieutenant Black, bonjour. Et Akat l'a dit aussi juste avant. Excusez-moi. Messieurs, excusez. Merci à vous. Je n'avais pas vu. Bon, du côté gauche, ils sont plutôt respectueux des lois. Ouais, bah de ce côté-là, non. Hein, parce que j'en ai un qui a contresens. Ouais, et c'est mon premier jour, alors soyez soft, hein. Ah, enfin. On ne me critique pas. Moi, non, je dois enfin, pas. Quelqu'un je dois parler, je dois lire le chat. Ah bah tiens, hop, encore une voiture qui est expirée. Hop, positionnement, alignement. Tu sais à quel moment on peut aligner quelqu'un, on peut appeler une. Eh merde! Ouais, bah, avec tout le monde qui me parle, je fais des conneries, je verbalise pour des trucs qui n'ont pas de raison d'être. Bon bah écoute. Oh. Ouais, faudrait regarder pour les dépanneuses parce qu'on peut.
Can you send a record of my current location? Un homme abandonné ses déchets. Bah d'ailleurs, je viens de le faire. Je viens d'appeler une dépanneuse pour. Pour une. Et j'ai pas eu de malus. Pour une voiture qui a une plaque d'expiration. Putain, elle est rapide la dépanneuse, la vache! Plaque expirée, on peut appeler une dépanneuse. Je viens de faire le test sans faire exprès, ça marche. Allez hop, et regardez. T'as pas fait perdre de points? Non! Oh bah. Et j'en ai même gagné. Est-ce que tu crois que de donner une contravention pour abandon de tritus, je peux après demander la carte d'identité? Ça ne vendra aucun point? Je crois pas que ça marche. Bon, alors. A 4 qui dit cette dépanneuse du futur. Ah, c'est beau, hein? Elle est où? Bah, elle est là, les. Au fond? Allez hop! Circulez, y'a rien à voir! Mais barrez-vous, vous! Eh oh, y a pas de meurtre à voir là! Et pourquoi tu l'as virée en fait, la voiture? Bah, je me suis trompé, en fait, je voulais la verbaliser pour les plaques expirées, mais une plaque expirée, tu peux le faire. Je l'ai fait sans faire exprès. D'accord. Tiens, lui, tu l'as verbalisé pour contresens? Non, je. Vas-y, vas-y, je t'en prie, je te la laisse. Oh, c'est moi qui dis, est-ce que tu gagnes plus d'XP avec la contravention ou en mettant la fourrière? Eh ben, je ne sais pas. Je pense que c'était pareil, il y avait eu plus 10 points, mais oui, je pense que. Non, mais l'erreur que j'ai fait, je pense que je pouvais lui mettre d'abord une contravention. Et après, peut-être le faire dégager. Et là, c'était bonus, banco. Ah, vous voyez, lui, là, stationnement expiré, mais il est handicapé. Et si je prends manuel, parce que je vais vous montrer un peu quand même. Ça donne une contravention. C'est pas là. Si? Non? Oui? Règlement du stationnement. Vous avez tous les règlements de stationnement, là. Alors, si dépassant sur la route, tout véhicule avec au moins une roue trop éloignée du bord du trottoir est considéré comme empiétant trop sur la route. Ouais, donc en fait, on aurait carrément pu le faire avant. Les zones de stationnement, pare-brise endommagé, ne constitue pas une infraction des réglementations de stationnement. Pas justifié, ok. Les conducteurs à mobilité réduite ont le droit de se garer devant un parc-mètre même en cas de dépassement de la durée. Les conducteurs à mobilité réduite doivent avoir une carte de stationnement suspendue au rétroviseur intérieur. Ah oui. La nuit, il n'y a plus de voitures garées à Brington, il se peut beaucoup d'entre elles ne restent pas. Il y a plus de voitures, ouais, ok. Trop près d'une bouche incendie aussi. Donc A4, si tu vois une... Si tu vois une bouche incendie à un moment avec une voiture, tu n'hésites pas à me le dire, hein, surtout. Trop près du passage piéton, c'est justifié. Une plaque d'immatriculation périmée, le remorquage est justifié. Voilà, donc tu peux remorquer Flo pour une plaque d'immatriculation périmée. Trop près d'un passage piéton, trop près d'une bouche incendie. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a viré du jeu. T'as été viré du jeu? Ouais. Ah. Bah, je vais te réinviter. Si je peux. Faut que j'arrive à quitter du jeu. Ouais, bah le multi est sorti il y a pas longtemps. Le jeu, alors je l'ai pas précisé, mais le jeu est en early access. Et donc du coup voilà. Alors j'ai complètement pas fait la présentation pour la VOD du jeu. Je voulais faire de la VOD. J'ai pas dit ni bonjour ni rien. Donc je vous dis bonjour bien en retard. Et surtout, il faudra que je pense à faire des espèces d'arrêts. Parce que, tu peux me réinviter quand tu veux, si tu veux. Bah en fait, je peux pas. Ah, attends, faut peut-être que je t'ai... Ah si, ça y est, je peux t'inviter. Ils ont fait la différence entre bouche et poteau dans le jeu. Non, je crois pas. Enfin, j'ai pas vu en tout cas. Moi non plus. De quoi, bouche incendie et ouais. Poteau du site électrique? Ouais. Ouais. Bah, je vois plus l'heure en haut à gauche, donc je pense qu'en fait on a fini la journée. J'ai dû avoir la notice qui a pop parce que ça me dit de rentrer au commissariat. Donc. Parce que j'ai pas vu quelle heure était quoi, 3h30? Ouais, il y a plus l'heure, mais par contre je vois en haut à gauche un icône qui me dit je suis à 200 mètres du poste de police, donc je pense qu'il faut que je rentre. Et toi tu vas déjà y être, à mon avis. On a marqué pas mal de points quand même. On a marqué pas mal de points, ouais, effectivement. Donc désolé, hein, ça fait beaucoup de choses à découvrir en même temps, je vous parle, je... 15h30, fin de service et les guides. Non, quand tu fais trop de mauvais choix, t'es pas viré, je crois pas. Tirer sur quelqu'un, je pense que... Ça met fin à la journée, tu peux la refaire. Ça va, ils sont gentils quand même. Donc ouais, le jeu est totalement en early access. Et... Alors, en solo, j'ai vu que ça buguait pas, ça allait, ça marchait bien. Ouais, bah en multi, ça vient de sortir, hein, donc de toute façon. Ok, t'es là, oh, bah parfait. Ouais, là. On va terminer donc, la patrouille pour aujourd'hui. Vas-y. Oh, je pense que 180 SP, faut c'est pas mal, ça. Faut que t'ailles à ton poste, je crois.
Pardon. Ouais, c'est plutôt propre. Il y a quelques bugs graphiques, des petits ralentissements. Flo, il lag un peu. Son personnage, ça bug. Mais bon, c'est. Voilà. Et de Tester de temps en descendre. temps, Alors, vas-y. non, mais pardon. Ouais, Kat me dit, est-ce que tu peux tenter de descendre quelqu'un dans la rue? Alors, je l'ai déjà fait. Ça met juste fin à la journée. C'est pas. Ouais, en plus, il est en FR, ouais. Donc, vous voyez, là, on a les, voilà, on a les points de conduite, c'est les malus. Et tous les autres trucs qu'on a fait en positif, c'est du bonheur. Oh, on a débloqué le pistolet radar. Oh. Signaler les excès de vitesse. Oh, ça va être drôle Ah ça. oui, c'est vrai qu'on n'avait pas fait attention à ça. Il y a des gens Non. qui roulent assez vite, hein. Ouais. Et on a Donc. débloqué une nouvelle non, on est toujours Un pas nouveau Audi? quartier. Si, ouais, un nouveau quartier. Voilà, on a des. Beaufort Landing. Beaufort Landing avec. Ouais, ça va être sympathique. Ce que je vais faire, c'est que. Je vais faire le petit blanc là pour faire au revoir à la VOD, à qui j'ai pas dit bonjour tout à l'heure. Mais je m'en excuse encore. Et puis, voilà, ça fera déjà une toute première vidéo. Et je vais essayer de découper par journée. Donc, je vais peut-être laisser dans les 20 minutes, 25 minutes, quoi, finalement. Bon, 25 minutes, c'est peut-être un peu long, mais 20 minutes, ça fera des petits épisodes de 20 minutes. Voilà, quoi. On va faire ça. Bah merci à tout le monde de nous avoir suivis pour ce tout premier épisode, et puis on vous dit à très vite. Salut! Ciao, ciao!